Je suis François Dur, je suis responsable de la maintenance du système ETCS ici au Luxembourg. Le réseau entier, 621 km de voies, ont été équipés en juillet 2017 avec ETCS niveau 1. On parle ici de 3500 balises en tout ici au Luxembourg. Le certificat de sécurité nous impose de rouler au moins une fois par an sur toutes les balises et de prouver qu'on a roulé dessus. Donc, en tant que responsable de maintenance, il fallait trouver une solution pour répondre à ce besoin en fait. Et c'est pourquoi on cherchait une installation qu'on pouvait monter sur les engins que le service maintenance infrastructure avait déjà. C'est des engins roubles avec une plateforme dessus, donc la question se posait de trouver un endroit sur cet engin pour installer le balise LifeCheck. L'installer en fixe sur le robot était impossible parce qu'on ne trouvait pas de place pour mettre l'antenne. On a opté pour une solution pour mettre l'antenne devant l'engin avec une armoire étanche sur la plateforme où toute l'électronique est installée dedans. Et avec un remote desktop, on peut gérer les enregistrements et directement voir les résultats dans la cabine du robot. L'analyse se fait lors de l'enregistrement, on peut directement voir lors du passage sur les balises les résultats. Une analyse approfondie sera faite après sur le bureau, sur le laptop. On a décidé d'utiliser le balise LifeCheck parce qu'on veut utiliser les capacités du système pour optimiser la maintenance, donc pour faire une maintenance préventive. On peut être opérationnel dans une bonne heure. Donc même en cas d'urgence, on peut l'utiliser assez rapidement et on peut faire les analyses nécessaires pour résoudre le problème. Moi, je n'ai pas vu un outil comparable pour le moment. Donc je ne connais pas d'autres outils qui me donnent les résultats que j'ai pour le moment.